Hey, bonjour, bonsoir, c'est la Vache Sauvage. Aujourd'hui, vidéo sur Dragon Ball Z. Yippie! Sur Dragon Ball Z Budokai 3, voilà, sur PS2. C'est un jeu, voilà, j'ai commencé hier. J'y avais pas joué depuis, au moins. je sais même pas comment être gentil avec moi-même. Ouais, je sais pas. Ça doit faire, putain, 10 ans que j'ai pas joué à ce jeu, même plus. Donc voilà, à l'époque c'était sur PS2, voilà, maintenant je suis sur PC avec une manette Xbox One, mais c'est le même principe. Donc là je fais le mode histoire avec Krillin, car oui, on peut faire le mode histoire de tous les personnages principaux du jeu, donc Krillin, Gohan, Goku, Piccolo, Vegeta, on peut faire le mode histoire de tous ces personnages, même Tenshinhan pour vous dire, et Yamcha. Donc voilà, c'est un ancien jeu, voilà. Donc c'est un jeu très très bien, j'appréciais beaucoup beaucoup y jouer à l'époque. Là maintenant, bah, on va commencer l'aventure avec Krillin. J'ai déjà un petit peu commencé. Donc voilà, donc je vais lire un peu ce qu'ils disent à chaque fois. Donc voilà, ça me fait plaisir de jouer à ce jeu, surtout en faisant une petite vidéo. Jamais je m'aurais imaginé faire une vidéo sur ce Dragon Ball un jour. Alors, là on n'en a pas. Bien, on dirait que tu vas être le premier petit. Quelle puissance, il est incroyablement fort. Et il est plutôt moche comme monstre aussi. Bah ton ennemi, ouais, t'as capté. Allez, alors je suis pas fort, je vous préviens juste. Après contre les premiers bots du mode histoire, ça devrait aller. Mais voilà, je suis pas un dieu du Dragon Ball. Alors lui, il a pas de transformation, ouais. Oh merde, je me prends une bombe directe. Lui aussi, tiens. Ça t'apprendrait à être étourdi. Fuck, 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 ça là c'était inévitable. Ah, il a plus de vie que moi. Ah, j'avais pas calculé ça au début, par contre, il commence avec plus de vie. En même temps, normalement, il est censé être plus fort que moi dans l'animé. Jusque-là, c'est plutôt normal. Merde, 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 merde. J'ai intérêt à faire gaffe en fait. J'ai intérêt à bien faire des petits combos. Je vais me mettre comme ça. Merde. J'aurais pu la prévenir celle-là, franchement. C'est moi qui étais con. Désolé, on entend pas mal ma manette. Par contre, je vais me transformer parce que je vais pas risquer de. Oh nickel! Tiens, mange! Allez! Dragon Rush! Ah bah d'accord, ça s'arrête tout de suite. J'étais en plein combo et il m'arrête dès le début. Oh, je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais je pense que si je suis motivé, je vais pouvoir la faire durer vachement longtemps, parce que là, je suis parti pour faire le mode aventure de plusieurs personnages. Aïe, 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 ça pique. Non, non, faut pas qu'il me tue, faut pas qu'il me tue, non! Ouh, j'ai eu chaud, ma gouille! Wouah! J'ai eu plus que chaud au cul, là! Oh la vache! Oh putain. Bon allez, je vais monter niveau 3 au moins. Ouais. J'ai déjà mis 2 points dans la santé. Je vais mettre un point dans le ki. Parce que je suis souvent à court. J'ai du mal à prendre l'initiative de recharger mon ki. Donc ouais, désolé pour le tremblement de l'écran. Je vais éviter de bouger. Ça y est, tu m'as énervé. Il a à peine une égratignure. Ouais. Dans l'animé, c'est pas comme dans le jeu. Dans le jeu, tu le bats, mais dans l'animé, il le bat clairement pas. Bon. Sauvegarder les données, bah oui. T'es fou ou quoi? Bien sûr qu'on sauvegarde les données. J'ai même un jeu de catch que j'avais joué anciennement. Raw vs SmackDown 2000, 2011. On pourrait y jouer. Je referai sûrement une autre vidéo sur ce jeu. Allez, là normalement, on va être sur Namek.
Bon, j'ai la flemme de lire, vous m'excuserez. Ok, on doit aller par là. Yekzo. Hop. Là, normalement, il devrait libérer mon potentiel, lui. Ouais, c'est ça, il va me donner la capacité libérée potentielle. Ce qui va me permettre de me transformer. C'est pas une transformation physique, mais en tout cas, je serai plus puissant. Donc, on va l'activer de suite. Technique. Hop, libérer potentiel. Voilà, comme ça, j'aurai au moins un changement de puissance valable. Alors, j'ai le dragon de radar. Je vais en profiter pour vérifier s'il n'y a pas des balls dans le coin. Alors, pour ce faire, je fonce comme un teubé. Et voilà. De temps en temps, on en voit passer. Là, il est juste là. Si j'arrive. Allez, courage. Voilà. Une boule de cristal. Hop là, j'en ai déjà pris 3 dans le monde normal. Il m'en manque encore 3 là. Donc j'espère qu'il n'y en a pas que 2 ici et que j'en ai zappé une dans le monde normal. Bon, on les voit plutôt facilement. Ça va pas mettre trop de temps. Enfin, voilà. On peut galérer des fois. J'ai pas trop envie de me casser le cul à faire ça. Là, je suis en vidéo. Ah, il y en a une là. Je vais juste prendre celle-là. Continuer la vidéo après. On me dit pas que je l'ai perdu. Ah, elle est là, c'est bon. Hop, Dragon Ball Z. Boule de cristal. Hop, elle a une vie dernière. Ah oui, il y en a une là. Je l'ai clairement vue. C'est pas par là, elle est par là. Ah merde, je l'ai perdu de vue. Ah là, saloperie, elle est là. On manquera plus qu'une après ça. Au pire, je vous fais une petite ellipse. Ouh, ça y est, les gens. Pour la première fois de ma vie, j'ai réuni les 7 boules de cristal. Let's go. Donc, toutes les boules étaient bien sur Namek. Je sais pas ce que ça fait, j'ai jamais fait ça. Et si je l'aurais fait, je m'en serais pas souvenu de toute façon. Ouais, et ensuite, il se passe quoi? J'ai toutes les boules, mais il se passe quoi là? On peut rien faire pour l'instant, je crois. J'irai peut-être voir le doyen après. Bon, quoi qu'il en soit, on va continuer. Ah ouais, mais lui c'est un timbré, lui. Il est taré. Bon, allez, hop. On retourne là. Nous, des fois, on y va, c'est juste pour parler. On repart, on revient et ça combat. Ça arrive des fois, c'est pour suivre l'histoire, mais bon, je la connais déjà, je m'en fous un petit peu. C'est parti, alors j'oublie pas que j'ai libéré le potentiel, la petite transformation. Merde, qu'est-ce que je fais? Allez, c'est parti, on libère le potentiel, on se transforme comme ça. Je sais pas si ça s'appelle comment cette transformation. Ah, le vilain garçon. Il a pas de technique, lui là. Non, il a que Kamehameha et ouais, ok. D'accord. Ouf, mais lui il a large plus de vie que moi, j'ai intérêt à faire bien attention là par contre. Surtout que je vais bientôt être en mode voilà. Intérêt de faire des bons enchaînements là si je veux me rattraper. Ou à la limite je peux essayer de le foutre dans le décor là comme il m'a fait tout à l'heure. Oh, l'avantage d'être petit quand tu joues contre un gros, c'est que tu peux le taper au coup de pied même s'il est par terre. Là par contre j'avoue que c'est plus un avantage. Esquive du seigneur, esquive de la loutre du seigneur, tout ce que tu veux. Ah, ça part, c'est bon. Par contre, je suis à fond, donc je vais peut-être me transformer. Sinon, ça sert à rien d'être à fond. Allez, ça part. Je l'envoie dans le décor. Oh, l'esquive du seigneur. Il n'y a pas de décor par là. Bon, c'est pas grave. Ah, mais il est en train de mourir, en fait. Eh, tu vas mourir. Impeccable. Eh, mais il va mourir. Oh là là,
J'ai vu que j'étais mal en point. Direct, j'ai rattrapé le truc. Capacité. Oh, ouais, ouais. Il te reste tes points Z. Ah oui, non, c'est vrai, faut mettre là. Je suis con. J'allais confirmer. Alors, où est-ce qu'on va maintenant? Je pense que c'est au même endroit, vu l'histoire. Ah oui, c'est le personnage. Planète Namek. Mais je l'ai eu déjà avec plusieurs de mes personnages de la planète Namek. Je sais pas à quoi ça sert du coup. Hop, c'est là qu'on doit aller. The baby. Ah là, on fait un vœu là. Ah non, c'est le mode histoire. D'accord. Je me croyais vraiment en train de d'utiliser mes Dragon Ball. Bref. Ah oui, là on va combattre le Goku qui a échangé son corps avec un mec de Freezer. Tu n'as plus de ki, bats-toi avec le ki à zéro. Ah d'accord, sympa. Ah mais en fait il peut se recharger le ki, je croyais que c'était... Ah chais. Blem. Blem bloom. J'ai plus de vie que lui là pour l'instant. Je vais déjà pouvoir me transformer. Comme ça et comme ça. Là, je sais pas s'il va pouvoir faire grand chose honnêtement. Bon, envoyer une petite slave comme ça là, hop. Un petit enchaînement. Bon, ok. Bon, ça va, il me laisse le temps, il se transforme. Il est gentil. Vite, c'est le moment. Yes. Allez, on recharge, parce que lui aussi, il va se mettre à charger, vu qu'il n'a plus. L'avantage des bots, c'est que tu connais leur move. Contrairement à un vrai joueur qui pourrait quand même te foncer dessus. Un bot, tu veux être sûr qu'il va recharger son ki à tel ou tel moment. Ah, le Dragon Rush, c'est parti. Yes, je l'ai. Allez, deuxième étape. Je prends triangle. Yes, il a fait croix. Allez. Carré ou croix? Allez, je lance croix. Inch'Allah. Yes, c'est moi. Impeccable. Blam. Là, il est mort, plus que mort. Il était déjà bien affaibli avant. Son scooter a explosé carrément. Ah bah là, j'ai fait une perf. Alors là, c'est clair. Je vais monter deux niveaux, tiens. On va mettre deux dans l'attaque parce que des coups j'en mets pas mal, mine de rien. La prochaine fois ce sera dans le ki. Ou en capacité. Je sais pas c'est quoi la différence. Ki c'est la charge. Capacité c'est doit être les attaques que tu lances avec ton ki, je sais pas. Voilà. Ah maintenant c'est juste là. Ah, dans le village. Ah non, c'est le vaisseau de Freezer ça. Voilà. Désolé pour le cadrage, je vais corriger ça de suite. Voilà, doit y avoir un peu de mieux là. Je suis pas non plus un dieu du cadrage, surtout que mon téléphone tient sur un trépied, ok, mais le trépied est sur un truc en mousse. Alors pour la stabilité, c'est pas... Oh là là, mais je vais me faire ma rave là, Avec Gwen, j'arrivais pas à ce combat là déjà. Ouais, peut-être avec Krillin ça devrait faire parce que j'ai l'impression de mieux jouer avec Krillin qu'avec Golan et ça c'est sûr. Alors, on va déjà se transformer là. Comme ça. Comme ça. Oh mais vu que je suis petit. Alors par contre là. Il va manger. Ah j'y crois pas, je suis en train de réussir le combat mais faut pas que je me lâche. Je vais me faire caca dans la culotte. Aïe, là. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pas ce que je voulais faire. Il va falloir que j'envoie dans le décor. Ah merde, trop tard. C'est pas grave.
Non, c'est moi, je suis dans la merde, là, j'ai intérêt de me barrer ou d'esquiver, mais faut pas que je reste sans rien. Oh, nickel. Je lui laisse une petite opportunité, là, il va charger son ki. Là, si je suis à fond et que je me transforme, là, ça va y aller. Parce que lui, il est pas transformé. Ah, putain, il s'y met. Il fait chier. Ah oui, il est en train de faire une crise cardiaque. Let's go. Dragon Rush. Faut pas qu'il me compte dès le début, ce serait vraiment parfait. Yes, allez, bon, je prends rond. Deuxième. Yes. Ah, s'il y a le troisième, c'est encore plus. Allez, je prends croix. Je mets tout sur la croix. Yes. It's a me. Deux fois d'affilée, je mets tout. En fait, c'est un système de... J'appuie sur une touche, et si le bot appuie sur la même touche que moi... Voilà, il a perdu, je suis désolé. J'ai même le temps de me moquer, tiens, grosse merde, Freezer, tu pues. Si j'aurais eu la même... Ah, je suis bon avec Krillin, mine de rien, parce qu'avec Gohan, j'ai galéré à faire ce qu'on va... J'y suis encore, d'ailleurs. Deux niveaux, tiens. Là, je mets capacité et ki. Non, ouais, si. J'aurais voulu m'étendre dans la garde parce que faut que j'apprenne à esquiver. Mais c'est merde. Et c'est bien comme ça aussi, après tout. Voilà. Hop. Oh, un nouveau truc. Kienzan furieux. L'attaque atteint l'adversaire en mode hyper. Consomme 4 unités. Oh, c'est une bonne attaque, ça, dis donc. Je peux lancer une attaque ultime. C'est une attaque ultime avec Krillin. Je pense que c'est la 6 circulaire jaune là qui fait, mais normalement il la prend avant ça parce qu'il l'a fait contre Vegeta lors de sa première apparition sur Terre. Donc, parce qu'il tente de lui couper la queue avec. Ah merde, par contre j'ai pas pu la mettre, j'ai pas pu lui attribuer. Je vais reculer le temps de voir. Ah, il y est pas, il va falloir que je l'équipe moi-même après. Mais voilà, là je suis contre Freezer en mode ultime, en mode, enfin voilà quoi. Ouais, il est pas si fort que ça, en vrai j'ai toutes mes chances. On va faire ça. On va libérer le potentiel avec. Et là ça va y aller, là je te le dis. Tiens, mange ça déjà. Putain, il est faible. Oh, il va mourir. Hein. Allez, j'envoie des slides, il va finir par en crever. Allez, t'es une merde, Freezer, on le sait. Merde. Oh mais je dis ça mais je suis en train de mourir aussi. J'avais pas vu là. Tiens, mange, je continue de manger. Putain, j'avais pas remarqué. J'étais moi-même presque mort. Wow. Trois niveaux d'un coup. Je vais tout mettre dans la garde puisque c'est ça. Et ouais, va. Malade que tu es, va. Ils m'ont pris pour un fou. Bon, là par contre. Quoi déjà? C'est tout ce qu'il a pris là. Il a pas. Après avoir été tué par. Ah non, normal. C'est ça. Après avoir été tué par Krillin, Freezer a été ressuscité par les boules de cristal de Namek. L'avenir lui reste une surprise, celle de fonder une famille avec son épouse et sa fille. Tu as acquis une technique. C18 peut être utilisé en mode duel. Ah, ok. D'accord, c'est comme ça qu'on débloque C18, donc. Et bah c'est cool, franchement, j'apprécie. C'est la fin pour... Ah oui, les boules. Ah, il y a les boules, attends. Mais oui. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Alors, par contre, j'ai eu des boules sur Terre, des boules sur Namek, alors ça va être quoi? Ça va être le gosse entre Shenron et le dragon de Namek ou... Non, c'est Shenron, ok. Oui, j'ai réussi, machin.
Percé, Krillin, souvenir de Krillin, gilet mystérieux. Je vais prendre la percée, je sais pas du tout à quoi ça correspond, on va prendre ça. Oui, j'accepte ton choix. Tu as acquis une technique. Percé peut utiliser tous les déplacements et capacités de Krillin. Attends. Peut utiliser tout. Active dès que le combat commence. Peut utiliser tous les déplacements et capacités de Krillin. Je comprends pas le truc. C'est pas grave. Hein. Je dois partir maintenant, vas-y, casse-toi, ouais. Ouais, la foutre. Voilà. Bon. Alors, c'est tout pour Krillin, donc. Je trouve qu'elle est un peu courte, son. Bon, je vous fais une ellipse parce que c'est chiant. Voilà. Eh bien, on va repartir. Écoutez, on va faire. Je sais pas quel personnage je vais bien pouvoir me faire. Entre. Sangoku, j'ai déjà commencé, mais je continue pas parce que sinon ça va me spoil l'anime. Parce que je regarde. Gohan, il y a un combat que j'arrive pas. Vegeta, je peux le faire. Krillin et Piccolo, c'est. Piccolo, il est en cours. Je peux le continuer si on veut. Il y a Tenshinhan, Yamcha. En vrai, je pense que je vais continuer Piccolo. Ça m'a l'air d'être une pas mauvaise idée. Voilà. Non, on va faire Piccolo, on va le finir. Après, je pense qu'on va commencer Tenshinhan. Parce que Tenshinhan et Yamcha, je suis pas très fan des deux. Mais j'ai quand même une préférence pour Tenshinhan. Yamcha, je le trouve un peu nul. Un peu nunuche. Bon, ça, c'est que dans l'anime, hein, bien sûr. Ça veut absolument rien dire. Avec Piccolo, je vais pas me faire chier pour les boules. Même si c'est un personnage que je risque de jouer régulièrement en tournoi, parce que c'est un peu mon personnage préféré de Dragon Ball, c'est Piccolo, sans mentir. Donc bon, je sais pas si ça vaut le coup que je récupère les boules de cristal. J'ai un peu la flemme. Mais voilà, je pense que je vais pas le faire. Alors Nappa, tu veux un nappage au chocolat? Sur ton gâteau. Drôle, très drôle. Ah bon, juste refaire un petit récapitulatif. Alors, le Makango Sapo, il faut que j'aille jusqu'au dernier tour au Dragon Rush. Ok. Et sinon, il n'y a que les vagues destructrices. Ça, on connaît. Ok, bah c'est parti. Ah, j'ai chaud. Enfin, j'ai pris un coup. Bon, tu m'en voudras pas, je me transforme aussi parce que sinon, je. Merde! Allez, s'il te plaît, choisiront toi aussi. Et non. Allez, 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 défense. Putain. Au bout d'un moment, faut s'arrêter de la page. Et merde. Il m'a mis les trois. Ok. Il m'a mis un perfect Dragon Rush. C'est tant mieux pour lui, hein, mais. Moi, ça me fait un peu chier, quoi. Va falloir que je rattrape. Oh la vache, il a masse de vie par rapport à moi maintenant. Oh la vache. Va falloir que j'envoie du. Oh, je suis mort, j'ai perdu là, c'est fichu là. Je vais toujours mitrailler les vagues destructrices, mais c'est pas ça qui va me sauver. Alors faut que j'envoie un Makango Sapo avec un peu. Je suis mort. J'allais dire avec un peu de chance. Je peux envoyer un Makango Sapo, mais là c'est mort. Je vais relancer. Hein. Bah bien sûr qu'on continue. Tiens, mange au lieu de charger. Tiens, j'ai dit mange. Ah, mais c'est. Tiens, bon toutou. Ah, j'aurais pu esquiver là. Franchement, c'est mon réflexe qui manque. Oh shit! Oh, j'aurais pas apprécié, bordel! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu nous fais, toi, là? Moi aussi, je peux faire. Dragon Rush? Ah non, il l'a pas lancé, bon. Okay. Très bien. Toi, tu vas faire un tour dans le décor, non? Je me trompe?
Merde. Ça va, il m'a pas trop amoché. On a vu pire. Par contre, il a plus de vie que moi pour l'instant. Il va faire un peu près gaffe. Là, il doit charger son ki, il a pas le choix. Voilà. J'ai eu chaud. Faut que j'envoie les patates. Merde. Fuck. Ça va, j'ai failli la manger de plein fouet celle-là. Là, je peux déjà lancer mon pouvoir comme ça. Oh merde! Non, sérieux. Fais chier. J'étais parti de manière égalitaire. J'ai fini mort. Bon, allez. Dernière tentative. Après, je pense qu'on va arrêter la vidéo. Souhaitez-moi d'y arriver, au moins. Faites un effort. À peine il se relève, le gamin, il lance une technique. Je vais essayer de lancer un Dragon Rush, mais je sais plus comment on fait. Oh putain. J'envoie les joysticks en l'air là, c'est bon. Il n'y a plus de joystick à la fin de la journée. Ah, Dragon Rush. Là, si j'y arrive, j'ai mon Makango Sapo. Ok, ça commence bien. Première tentative réussie. Deuxième tentative. S'il vous plaît. Oui. Allez, allez. Je prends carré. Il doit prendre croix, là, pour avoir mon Makango. Yes. J'ai mon Makango Sapo. Youpi. Makango Sapo. Ah mais il le parle en anglais. Ah. Là je suis bien, là je peux te dire capitaine. Je suis très bien parti. Il se transforme, je me transforme. Je vais lui laisser aucune chance. Tiens, encore un Dragon Rush. Allez. Voilà, ça m'étonnerait. Avec un peu de chance, hein. S'il relance, je pète mon crâne. Ah, j'ai eu peur. Ça va. Ça va pour lui. Oh, je m'en fous. Bon allez. Ah ce que je lui ai mis dans son gros fiac nappé au chocolat là. Impeccable. Ah cette vidéo elle était d'enfer les gens. En plus je vais monter un niveau. On va mettre un peu de santé parce que bon. T'es fragile Piccolo en vrai. Je rigole, pleure pas. Bon bah sur ce je vais vous laisser. Et ouais, on va se laisser là. Et ouais, parce que là, ça va être sur Namek. Donc je pense que je vais peut-être refaire une vidéo. En attendant, la prochaine vidéo, c'est sur le catch. Donc voilà, le jeu de catch Raw vs SmackDown 2011. Si c'est ça, 2011, j'allais dire 1911. Je suis un taré dans la vie. Bon allez, sur ce, mais n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Voilà, n'hésitez pas non plus à me mettre un petit commentaire, ça fait plaisir. Ceux qui aiment ce jeu, bah dites-le moi, hein, tout simplement, ça fait plaisir. Et puis voilà. Bisous, bisous, et abonnez-vous!